De plus en plus d'Occidentaux, subjugués par la foi du peuple martyr palestinien, s'intéressent à l'islam. La question principale, qui a codé l'univers dans la science al-Mubin? Le postulat de base, al-Mubin, est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Observez bien. Cette étude fait suite à. Depuis les événements récents en Palestine, de plus en plus d'Occidentaux subjugués par la foi du peuple martyr palestinien s'intéressent à l'islam, lisent le Coran, voire même embrassent la religion de vérité. Allahu Akbar. Le texte n'est pas de moi. Parfait. Donc, nous allons appliquer le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, celui-là, dans ce système A égale à 2, le premier nombre premier, B égale à 3. Et le dernier, z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc nous allons appliquer ce système à cette phrase. Depuis les événements récents en Palestine, d'accord? Donc ici, le texte sans les rangs. Ici, le texte avec les rangs. Les nombres premiers, ils ont des rangs. Un nombre premier, il a un rang. Le 2 est le premier nombre premier. Donc son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Son rang est 2. Et le 19, son rang est 8. Le 53, son rang est 16. Parfait. Donc, nous avons dit que le D égale à 7, mais 7 est premier, il a comme rang 4. Le 11 égale, le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Donc, ce texte a deux totaux. Un total sans les rangs, un total avec les rangs. Parfait. Je les pose ici. Je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. La science al-Mubin exige qu'à chaque fois, tu as un nombre supérieur au 23. Divise-le par le 23. Donc ce nombre, je le divise par le 23, le reste est 13. 13 est premier, la comprend 6. Parfait. Ces nombres sont imposés par la science al-Mubin. Je n'ai rien à voir avec tous ces nombres. Observez bien. Lui plus lui, comme à chaque fois, égal à ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être un nombre premier qui a comprend 465. Maintenant, lui moins lui, donne ce nombre. Ça, c'est le cœur du texte. C'est la somme des rangs de ce texte. La somme des rangs donne 551. Ça, c'est le rang du nombre premier 4001. Maintenant, la somme avec, c'est-à-dire la somme de tous ces nombres, la somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science al-Mu'in. Parfait. Comme à chaque fois, on a besoin de la durée de la révélation. Le 23, le nombre principal de al-Mu'in. 23 est premier, la comme rang 9. Observez bien. Ce nombre qui n'est pas de moi. Avec ce nombre qui n'est pas de moi, avec son rang, avec le 175, le 23 et le 9. Dans ce nombre c'est quoi? De plus en plus d'Occidentaux subjugués par la foi du peuple martyr palestinien s'intéressent à l'islam. La suite. Maintenant, observez, expliquez s'il vous plaît. Lui, avec lui, avec lui. Donc le seul qui a été isolé, c'est lui. Observez bien la beauté de la chose. Lui. Avec ces deux-là, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Lise le Coran, voire même embrasse la religion de vérité. Qui a codé? Là, tu vois bien qu'il y a un raisonnement divin, implacable, intarissable, multidimensionnel, fractal, renouvelable, qui ne s'arrête jamais, infini. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce dernier texte. Très bien. On a utilisé la somme 100, il faut obligatoirement la somme. On a utilisé la somme avec, il faut obligatoirement la somme 100. C'est-à-dire la somme de la ligne principale. Égale à 156. Très bien. Observez bien. Lui. Avec un nombre que Dieu a posé ici. Ce nombre est premier, il a commencé 83. Ce qui isole le 23 et le 9. Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Allahu Akbar. Phénoménal, non? Observez bien. Lui, avec lui, Dieu a posé le nombre ici, d'accord? Qui est le nombre premier qui a comme rang, le fameux 23, d'accord? Et vous allez voir le 23 et le 9, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour donner ce nom qui est Allahu Akbar, la suite et la fin du texte. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui moins lui, c'est-à-dire le cœur de Allahu Akbar dans ce nombre. Allez, observez bien et expliquez, s'il vous plaît. Lui maintenant, avec lui, avec le 115. Et avec le 23 et le 9 qui ont été isolés, regardez bien la beauté de la chose, donne le 747, Allahu Akbar. Phénoménal, non? Observez bien. Donc ici, lui et lui ont eu besoin du 83 pour former
Le 747 qui est Allahu Akbar. On fait la somme des ronds. Lui moins lui donne le 115. Et le 115, vous savez bien, le 115 moins le 23 et le 9 donne le 83. Pour que le nombre s'impose encore, le Allahu Akbar s'impose encore. Donc ça, c'est Allahu Akbar pour faire vivre les cœurs, pas pour tuer. Pas celui qui est utilisé par des ignares qui n'ont rien à voir avec l'islam pour tuer des gens. Parfait, maintenant observe bien. Lui moins lui donne encore le 115. Le 115, c'est quoi? C'est le 113 plus 2, n'est-ce pas? Le 113 est un nombre au premier cas comme rond 30, un nombre de Al-Mubin, et le 2 est un nombre au premier cas comme rond 1. Observe bien, s'il vous plaît. Le fameux 83, qui a été isolé encore tout à l'heure, avec le 113, avec le 551 qui n'a pas encore travaillé, du tout, égal à quoi? Égal au 747, Allahu Akbar. Maintenant, l'autre, maintenant le 30, observe bien, le 30, le 113 vient de travailler, maintenant son rang, son rang. Avec le 83, observe bien, avec le fameux, avec l'autre 83 et avec le 551, égal à ce nombre. Donc observe bien, le 30, avec ce 83, avec l'autre 83 qui a été isolé, avec ce nombre, d'accord, donne quoi? Donne le 747, Allahu Akbar, qui a fait ça. Maintenant, observez bien, le 83. Observe bien, le fameux 83, avec le 23, avec le 9, avec ce 1, le 30 et le 113 viennent de travailler, avec ce 1, donne le 114. L'autre 83, avec le 23 et le 9, donne le 114. Le 83 lui-même, observe bien, le 83, ok, le premier, avec ce 30 et ce 1, donne encore le 114. Et l'autre, avec le 30 et le, donc ici c'est 31, 30 plus 1, et ici 30, 30 plus 1, encore le 114. Ça, c'est quoi? C'est Dieu. Très bien. Maintenant, observez bien. Je vais sommer les nombres après le 747. Je vais sommer tous ces 114 après le 747. Ça donne le 684. Observez, s'il vous plaît, essayez d'expliquer. Le 684. Le 83 vient de travailler, n'est-ce pas? Ce qui a isolé le 23 et le 9. Donc, observez bien. Avec le 23 et le 9, et le 30 et le 1, comme par hasard, donne le 747. Avec l'autre, donne le 747. Et avec le 30 et le 1, et le 23 et le 9, donne le 747. Donc encore le Allahu Akbar, qui a fait ça, qui est capable de faire ça. Maintenant, observe bien, je vais sommer tous les 747, les 83, les 23 et les 9. Tous. Observez, tous. Qui a codé. Ça ne s'arrête jamais. L'idée est codée. L'idée, la réflexion est codée, l'intuition est codée. Donc lui, il est premier, il a comme rang 1080. Qui lui a donné l'ordre alors que les nombres premiers sont rares? Observez bien, lui, avec le 747, avec le 23 et 9, rappelez-vous combien de fois le 83 a été isolé tout seul. Donc avec le 23 et 9, donc ce nombre c'est quoi? De plus en plus d'Occidentaux subjugués par la foi du peuple martyr palestinien s'intéressent à l'islam. Une partie du texte. Très bien, maintenant observez bien. Le 1080, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, et avec le 9, observez bien. Dieu, Dieu, Dieu. Et le 9, le rang du 23, le 9, le rang du 23, égal à 747, Allahu Akbar. Maintenant observez bien. Lui moins lui, la somme des rangs de ce texte, égal à 1204, observez bien. Le 1204, moins Dieu, moins Dieu, moins Dieu, moins Dieu, moins Dieu, plus le fameux 113, vous vous rappelez de lui, le fameux 113, égal à 747, Allahu Akbar, qui a fait ça. Parfait. Maintenant, observez bien, le fameux 113 qu'on vient d'utiliser, 113 plus 30 plus le 2 plus le 1, ok, cette partie-là, qu'on avait repérée, d'accord, qui a été imposée, 146. Le 146, c'est quoi? C'est 114 plus 23 plus 9. 114 plus 23 plus 9. Le 114 dedans, il y a le 114. Le 146, il y a dedans le 114. Le 23 et le 9. OK? Ça donne le 146. Parfait. Observez bien. Le 146. Avec le 146. OK? Avec le 9. Avec le 9, les rangs du 23. Avec le fameux 551, vous vous rappelez de lui? Et avec Dieu. Allez, je vais vous montrer le fameux 551 qui a été isolé initialement. Le voilà.
et avec Dieu, et avec les deux rangs du 23, dans le 747, Allahu Akbar. Maintenant, la somme des 83, 23 et 9. Je vais sommer tous les 83, les 23 et 9. D'accord? Donc, Allahu Akbar. D'accord? Les rangs de Allahu Akbar. Je vais tous les sommer. Tous. Observez, tous. D'accord? Je somme tous les. Donc, ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier, lui. Maintenant, observez bien. Lui moins lui, la somme des rangs de Allahu Akbar. Dans ce nombre. Ce nombre est le rang de lui. Allez, expliquez, s'il vous plaît. Lui. Avec son rang, avec lui, avec son rang, avec le 115, le 83, le 23, le 114, le 114. Observez bien. Donc ceux-là, donc ces nombres-là, ok? Dieu, Dieu, et le 83 et le 23. On a isolé le 9 tout à l'heure, on a travaillé sur le 9, le 83 et le 23. Ça donne ce nombre. De plus en plus d'occidentaux, subjugués par la foi depuis le martyr palestinien, s'adressent à l'islam. Maintenant, observez bien, le 631 avec le 115, qui sont juste là, avec le 83, le 23 et le 9, ceux-là, avec Dieu, donne encore Allahu Akbar. Ma question, qui a codé? Tu peux continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Qui a codé? Qui a codé l'univers dans la science al-mubin? Merci à vous, à la prochaine.